No, Kirk, the game's not over. To the last, I will grapple with thee. Star Trek II: The Wrath of Khan est considéré par plusieurs fans comme étant le meilleur film de Star Trek, et c'est définitivement un de mes préférés. Par contre, j'avoue qu'à la longue, j'ai fini par me lasser des raisons invoquées par les fans pour l'ériger au-dessus de tous les autres films, et des conséquences que cela a entraînées sur les autres films et parfois même sur les séries télé. Quand on cherche un peu sur Internet ce que les gens ont à dire sur The Wrath of Khan, on trouve de nombreux articles qui commencent toujours de la même manière, c'est-à-dire en rappelant que The Motion Picture avait été mal reçu par les fans parce qu'il était lent et cérébral. Après quoi, ces articles stipulent que si The Wrath of Khan est aussi bon, c'est parce que son réalisateur Nicholas Meyer avait pris la direction opposée. Il en avait fait un film d'action, dans lequel l'Enterprise est confrontée à un méchant plus charismatique que le mystérieux V'ger. Si vous avez regardé mon épisode sur Star Trek The Motion Picture, alors vous aurez compris que c'est un film que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs à travers les deux premiers films que j'ai d'abord connu Star Trek, et jamais il ne m'était venu à l'esprit de les comparer ou d'en élever un au-dessus de l'autre. Car comparer deux œuvres qu'on aime, ça revient à chercher des défauts qui ne nous dérangeraient pas en d'autres circonstances. Encore aujourd'hui, je considère que ces deux films sont trop différents pour être comparés et qu'ils contiennent tous les deux des ingrédients qui sont selon moi nécessaires à Star Trek. Certes, on peut prétendre que The Wrath of Khan est un meilleur film que The Motion Picture parce qu'il est moins lent et que son méchant est plus charismatique. Mais ça signifie qu'on examine les deux films à travers une lentille qui avantage les films d'action. La lentille très étroite, d'un public qui considère que les films lents sont automatiquement mauvais et qu'un bon film doit forcément se terminer par une explosion. I want the movie to end with a big explosion. À l'inverse, on pourrait aussi bien affirmer que The Motion Picture est meilleur que The Wrath of Khan parce qu'il utilise la science-fiction pour développer une réflexion profonde sur l'humanité et que son antagoniste est bien plus fascinant qu'un homme obsédé par la vengeance. Si depuis 40 ans, The Wrath of Khan est considéré comme étant le meilleur film de Star Trek, ce n'est pas parce qu'il bat The Motion Picture à tous les niveaux, mais plutôt parce que depuis 40 ans, on ne juge plus les films que sur un seul niveau. Un film ne doit plus répondre qu'à une seule question. Nous a-t-il divertis? Are you not entertained? Are you not entertained? À partir de Wrath of Khan, sorti en 1982, Star Trek s'est incliné devant le succès et l'omniprésence des films commerciaux comme Star Wars et Indiana Jones. Et The Wrath of Khan fut même le premier film non produit par George Lucas à faire appel à ILM pour ses effets spéciaux. Comme Star Wars, The Wrath of Khan présente un futur qui est vieux, un combat entre le bien et le mal, et l'intrigue porte sur la quête d'un objet pour lequel les deux camps se battent, ce que George Lucas appelle de manière erronée un MacGuffin. D'ailleurs, si vous avez déjà écouté Star Wars A New Hope et Star Trek The Wrath of Khan en français, vous aurez peut-être remarqué que c'est François Chaumette qui doublait Darth Vader et Khan. Ainsi, vous n'avez pas oublié, amiral. Quel honneur vous me faites. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Mais pourquoi cette obsession pour le bien et le mal dans le cinéma américain des années 80? So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all, and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Ronald Reagan fut président des États-Unis de 1981 à 1989. Il fut LE président des années 80,
le président de la phase la plus intense de la guerre froide, alors que le conflit, toujours sur le fond de la menace nucléaire, se déplaçait au Proche-Orient. Sous son administration, les États-Unis ont connu non seulement une forte remilitarisation, mais aussi le Military Entertainment Complex, c'est-à-dire la coopération entre l'armée américaine et les industries de divertissement, a-t-il redoublé d'ardeur pour redresser l'image de l'armée américaine après son échec au Vietnam. De la même manière que Reagan faisait tout ce qui était en son pouvoir pour convaincre les Américains qu'ils étaient les gentils dans un récit manichéen, Hollywood ne remettait plus en question ses héros comme c'était le cas dans les années 60 et 70. Can that be true? Was Cestus III an intrusion on their space? It may well be possible, Doctor. We know very little about that section of the galaxy. Then we could be on the wrong. Dans The Wrath of Khan, on découvre que Starfleet s'est militarisé et à travers le regard de la communauté scientifique, dont les uniformes rappellent justement la mission scientifique de Motion Picture, on découvre que l'opinion publique n'est pas aussi unanime qu'on le croyait en ce qui concerne les méthodes et les intentions de Starfleet. Every time we have dealings with Starfleet, I get nervous. Cette militarisation est également due à Nicholas Meyer, qui ne partageait pas l'optimisme de Gene Roddenberry, celui-ci ayant été expulsé de la production du film après que The Motion Picture ait déçu les fans. Lorsqu'il fut décidé que ce serait Meyer qui réaliserait la suite de Motion Picture, plusieurs scénarios avaient été proposés sans qu'on arrive à se mettre d'accord sur lequel choisir. Ce que Meyer a fait à ce moment-là est une véritable leçon de scénarisation. Il a pris les meilleurs éléments de chaque scénario et les a combinés pour faire un film. C'est une idée un peu casse-cou, mais redoutablement efficace, grâce à laquelle Meyer a fait un film qui ne connaît aucun temps mort, car pas moins de 5 intrigues s'entremêlent. L'Enterprise est appelée en mission pendant une inspection de routine par Kirk alors que l'équipage se compose essentiellement de recrues inexpérimentées. I know that none of you were expecting this. I'm sorry. I'm going to have to ask you to grow up a little bit sooner than you expected. Les scientifiques développent Genesis, un projet de recherche confidentiel qui a pour but d'adapter les planètes inhabitables pour la vie humanoïde, mais qui peut aussi être utilisé comme arme de destruction massive. We are dealing with something that could be perverted into a dreadful weapon. Khan, un ancien adversaire que Kirk a abandonné sur City Alpha 5 après que celui-ci ait essayé de lui prendre l'Enterprise dans l'épisode Space Seed, exerce sa revanche. You still remember, Admiral. I cannot help but be touched. I, of course, remember you. Kirk rencontre son fils. Is that David? Et Spock se sacrifie pour l'Enterprise et son équipage. I'm sorry, Doctor. I have no time to discuss this logically. On avait demandé à Meyer de faire un film qui aurait un rythme plus rapide que The Motion Picture. Il a fait 5 films en un. Mais alors qu'il s'agit d'une technique efficace pour faire un film sans temps mort, c'est aussi ce qui donne l'impression que The Wrath of Khan ne possède pas d'unité thématique. Certes, le film touche à plusieurs thèmes. Revenge is a dish that is best served cold. I don't like to lose. How we deal with death is at least as important as how we deal with life, wouldn't you say? Life from lifelessness. Before you really do grow old. Galloping around the cosmos is a game for the young, Doctor. And I'm your friend. You are also my friend. Pour résumer le film dans son intégralité, on pourrait tenter de rassembler tous ces thèmes et dire que The Wrath of Khan parle du rapport que nous entretenons avec la mort au cours de notre vie, à travers notre vieillissement, nos échecs, nos amitiés et ceux qui ont soif de vengeance. Mais ça reste un énoncé très vague qui, à mon avis, cache une leçon que Khan et même la Fédération devraient entendre. Une leçon que Kirk apprend au cours du film et que Spock avait sans doute déjà assimilée. Mais je tiens à vous avertir, il se peut que vous trouviez mon argumentaire tiré par les cheveux, car Nicholas Meyer est, selon ses propres dires, un raconteur d'histoires très instinctif. Il cite de mémoire des œuvres littéraires, commettant parfois quelques erreurs. It's a far, far better thing I do than I have ever done before. A far better resting place I go to than I've ever known. Et donne au public la responsabilité de découvrir par lui-même la signification de ces citations. Bien sûr, certaines sont plus évidentes que d'autres. It was the best of times, it was the worst of times. Message, Spock? None that I'm conscious of. Dans A Tale of Two Cities, le docteur Alexandre Manette est emprisonné à la Bastille pendant 18 ans, comme Khan est emprisonné pendant 15 ans sur Seti Alpha 5, et comme Kirk vit lui-même une sorte d'emprisonnement psychologique. Damn it, Jim, what the hell is the matter with you? Other people have birthdays. Why are we treating yours like a funeral? Bones, I don't want to be lectured. Tandis que le sacrifice final de Spock est un écho à celui de Sidney Carton à la fin du même roman. It is a far, far better thing that I do than I have ever done. It is a far, far better rest that I go to than I have ever known. Dans Paradise Lost,
après que Dieu l'ait condamné en enfer, Lucifer revient pour tenter de pervertir la création. Si Kirk correspond à Dieu, le sacrifice et, attention divulgateur, la future résurrection de Spock dans le troisième film font indéniablement de lui le Christ. Et c'est le pauvre Dr. McCoy qui se retrouve à accueillir le Saint-Esprit. Remember. Certaines personnes, dont Meyer lui-même, croient que ces références littéraires sont innovatrices dans Star Trek. I remember saying when we were talking about this movie, why can't they ever read a book? Why can't they ever do anything we do? Mais la référence à Paradise Lost était déjà présente dès la première apparition de Khan. Have you ever read Milton, Captain? Yes. I understand. The statement Lucifer made when he fell into the pit. It is better to rule in hell than serve in heaven. C'est également le cas des références à Moby Dick qu'on trouve à la fois dans la série originale, notamment dans les épisodes de Doomsday Machine et Obsession, dans The Wrath of Khan, bien sûr. For hate's sake, I spit my last breath at thee. Et encore à d'autres occasions par la suite. I'm sorry. I didn't mean to interrupt your little quest. Captain Ahab has to go hunt his whale. Puisque Khan se libère d'un emprisonnement de plusieurs années qui lui a fait perdre sa femme et que le film porte sur sa vengeance, il est curieux que Meyer ne fasse pas référence au Comte de Monte Cristo. Mais c'est peut-être seulement parce qu'il est plus familier avec la littérature anglaise, allant même jusqu'à glisser des références un peu saugrenues à Shakespeare dans l'autre film de Star Trek qu'il a écrit et réalisé, The Undiscovered Country. You have not experienced Shakespeare until you have read him in the original Klingon. Le titre de ce sixième film de Star Trek est lui-même une preuve que les citations choisies par Meyer ne sont pas aussi réfléchies qu'on pourrait le croire, puisqu'il avait également proposé ce titre pour The Wrath of Khan, tandis que Walter Koenig avait proposé Star Trek II, Chekhov Screams Again. Blague à part, même si Meyer et les scénaristes ayant contribué à l'écriture de Wrath of Khan n'ont peut-être pas pensé à tout ce que je m'apprête à mettre en lumière, je veux donner au film la même attention que j'ai donnée à The Motion Picture. Thank you for your attention. Alors que les deux premiers films sont sortis à seulement 3 ans d'intervalle, The Motion Picture se déroule environ 2 ans et demi après la légendaire mission de 5 ans et The Wrath of Khan 10 ans après, assumant l'écart réel d'environ 15 ans entre la série originale et ce nouveau film et assumant également que les personnages sont maintenant beaucoup plus vieux. Now, what is that supposed to mean? Bien que ce ne soit pas mentionné dans les films, les fans savent que la rencontre entre l'Enterprise et V'ger a amorcé une deuxième mission de 5 ans, au terme de laquelle Kirk, Spock et McCoy, plus matures de par ce qu'ils ont vécu dans The Motion Picture, ont su préserver leur amitié, contrairement à ce qui s'était produit après leur première séparation. Ainsi, même si Kirk ne parcourt plus l'espace à bord de l'Enterprise, il est beaucoup moins amer que dans le premier film. On pourrait dire que c'est pour lui à la fois le meilleur des temps et le pire des temps. Jim, I'm your doctor. And I'm your friend. Get back your command. Get it back before you turn into part of this collection. Before you really do grow old. Si le point de départ de Kirk peut paraître similaire dans les deux films, le début de Wrath of Khan se distingue de celui de Motion Picture sur un point bien précis. Kirk est maintenant plus sage. Il a appris la leçon de Motion Picture. Il ne revendique pas le commandement de l'Enterprise, surtout que c'est maintenant Spock le capitaine. Et dans tous les cas, il est assurément plus humble, peut-être même un peu trop. Of course, the ship is yours. No, that won't be necessary. C'est Spock qui le défend lorsque son autorité et son expertise sont remises en question. May I quote General Order 12 on the approach of any vessel when communications have not been established? Lieutenant, the admiral is well aware of the regulations. Spock doit aussi presque forcer la main à Kirk pour qu'il accepte d'assumer le commandement de l'Enterprise. You take the ship, Jim. You proceed from a false assumption. I am a Vulcan. I have no ego to bruise. Non pas que l'humilité ou la capacité à reconnaître ses erreurs soient des défauts, mais il y a une différence entre penser un peu moins à soi et penser un peu moins de soi. Kirk a une très haute estime de l'homme qu'il était dans sa jeunesse et par conséquent, il sous-estime l'homme qu'il est devenu. Il voit son vieillissement comme une perte de ses meilleurs atouts, ce qui l'empêche de voir les nouvelles qualités qu'il a gagnées et qui font de lui une personne bien différente que ce que la série originale avait prédit dans l'épisode où une étrange radiation le fait rapidement vieillir. I fail to understand why each one of my commands is being questioned. S'il ne se mettait pas la pression de ressembler au surhomme qu'il croit avoir été dans sa jeunesse, Kirk verrait qu'il est aujourd'hui plus sage et pourrait partager son expérience avec les nouvelles recrues pour leur propre bénéfice ainsi que le sien. Tout comme Khan est prisonnier de Seti Alpha 5, Kirk est prisonnier de sa nostalgie, de l'envie qu'il éprouve pour son passé. Et ça tombe bien, son passé refait surface sous la forme de 3 fautes qu'il a commises dans sa jeunesse.
celle d'avoir abandonné Khan et son équipage sur Seti Alpha 5 plutôt que de les livrer à la justice et sans jamais s'être préoccupé de leur sort. Seti Alpha 6 exploded 6 months after we were left here. The shock shifted the orbit of this planet and everything was laid waste. Admiral Kirk never bothered to check on our progress. Celle d'avoir été absent de la vie de son fils pour continuer de jouer au cowboy de l'espace. I did what you wanted. I stayed away. Why didn't you tell him? How can you ask me that? Were we together? Were we going to be? You had your world, and I had mine. And I wanted him in mine. Not chasing through the universe with his father. Et celle d'avoir évité la mort même au prix de ce que celle-ci pouvait lui apprendre. En effet, ce qui faisait de Kirk un héros si fascinant dans la série est revisité par Meyer qui en expose le côté sombre. Dès son roman The Seven Person Solution, que je n'ai jamais lu, mais dont l'adaptation cinématographique est définitivement un des deux meilleurs films sur Sherlock Holmes avec The Private Life of Sherlock Holmes de Billy Wilder, Meyer a démontré son talent pour déconstruire des héros célèbres. Mais attention, déconstruire est devenu un terme surutilisé par les gens lorsqu'ils critiquent un film. Déconstruire ne signifie pas qu'on retourne un personnage ou un film sur lui-même sans aucune explication et qu'on crache sur ce qu'il représentait jadis. Jake Skywalker, pour reprendre les mots de Mark Hamill lui-même, n'est pas une déconstruction de Luke Skywalker, alors que Luke refusait, au péril de sa vie, de celle de ses proches et du bien-être de la galaxie, de tuer Darth Vader, tueur d'enfants qui avait terrorisé la galaxie et torturé ses habitants pendant plusieurs années et qui promettait maintenant de corrompre Leia, voilà que Jake Skywalker s'introduit dans la chambre de son neveu en pleine nuit pour l'assassiner dans son sommeil à cause d'un mauvais pressentiment. Bon, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, alors je suis en train de prêcher aux convertis. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors peu importe le nombre et la justesse de mes arguments, vous ne changerez jamais d'avis et c'est correct. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que The Last Jedi n'a pas déconstruit Luke Skywalker, pas plus que Jurassic World a déconstruit Jurassic Park en contredisant la thèse du premier film. Déconstruire un personnage ou un film, c'est révéler des contradictions qui ont toujours été présentes, mais qu'on n'avait pas vues jusqu'ici. Robin and Marianne nous révèlent qu'étant donné que Robin des Bois a passé sa vie à voler des riches dans une forêt et à participer aux croisades, il n'est probablement pas aussi cultivé et respectable qu'un shérif de Nottingham qui a accès à la littérature et à l'éducation. Unforgiven révèle que si les cowboys fréquentaient aussi souvent les saloons avant de s'affronter en duel, ils ne devaient pas viser si bien que ça, et non seulement leurs exploits étaient sûrement exagérés par ceux qui les racontaient, mais ces cowboys ne devaient pas avoir une conscience bien tranquille. Mist of Avalon révèle le point de vue de Morgan sur le cycle arthurien et, sans trop en altérer les péripéties, altère notre opinion sur la sœur d'Arthur. Twin Peaks révèle l'absurdité des téléromans savants, tout en adoptant leur code et leur invraisemblance. Goodfellas, Casino et The Wolf of Wall Street révèlent que les criminels ne sont pas des héros shakespeariens comme dans The Godfather, mais de simples délinquants prétentieux. Superman Red Son révèle que les valeurs de Superman dépendent en partie du lieu où il atterrit sur Terre. Et Dragon Ball Z, Battle of the Gods, révèle que l'obsession de Goku pour le dépassement personnel au détriment de la sécurité du monde fait de lui un héros qui n'est pas aussi pur que ce qu'on croyait jadis, et que Vegeta est bien plus mature et responsable que lui. Malgré toutes ces révélations, aucune de ses œuvres n'a dénaturé ce qu'elle déconstruisait. Rien n'était gratuit, tout était expliqué et justifié. C'est le cas dans The Wrath of Khan et dans The Motion Picture aussi d'ailleurs, dans lesquels Kirk est par deux fois déconstruit. Et c'est aussi la série originale en tant que telle qui est déconstruite dans The Wrath of Khan, car si Kirk pouvait se permettre d'abandonner Khan sur une planète sans faire face aux conséquences de cette décision par la suite, c'est parce que la série, de nature épisodique, ne faisait presque jamais référence aux aventures précédentes. La série présentait Kirk comme un aventurier superactif qui multipliait les conquêtes amoureuses dans un contexte où ce comportement le faisait rayonner, sans jamais montrer le père irresponsable qu'il ferait si l'une de ses conquêtes lui apprenait qu'elle était enceinte. Enfin, tout au long de la série, Kirk était présenté comme un trickster qui trompait la mort en traitant la vie comme une partie de poker. Pas de chess, Mr. Spock. Poker. Or, dans la vie, on apprend bien plus de nos erreurs et de nos échecs que de nos victoires. Autrement dit, Kirk n'a rien appris de ses multiples victoires et considère que son absence d'échec est une preuve de sa supériorité. I tricked my way out of death and patted myself on the back for my ingenuity. Dans The Wrath of Khan, on nous apprend que Kirk avait triché lors du test du Kobayashi Maru, un test qui vise à confronter les futurs capitaines à une défaite assurée. Ainsi, lorsque le bluff ne lui permet pas de gagner, Kirk a recours à la triche. Alors que son personnage était modelé sur John F. Kennedy dans la série originale, ou Lyndon B. Johnson dans les épisodes qui soutenaient la guerre du Vietnam, Kirk, maintenant plus âgé, sert à critiquer Ronald Reagan, le plus vieux président que les États-Unis avaient connu à l'époque, et sa stratégie pour gagner la guerre froide.
I don't like to lose. Bien sûr, les admirateurs de Reagan diront que cette stratégie lui a réussi. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe en ce moment en Ukraine, on se rend compte qu'on subit encore aujourd'hui les conséquences de cette arrogance. Et on en vient à se demander s'il y a vraiment eu une victoire ou qu'est-ce qu'on considère être une victoire. Do you ever win a fight? Nobody ever wins a fight. Le redémarrage de Star Trek écrit par Alex Kurtzman, qui s'inspire fortement de Wrath of Khan, exagère ce que The Wrath of Khan nous a présenté du passé de Kirk et le réduit à un enfant gâté qui n'écoute personne et qui triche tout le temps. Bien qu'on ait associé le succès de ce nouveau Star Trek à l'élection d'Obama, ce Kirk représente davantage George W. Bush, un président connu pour faire confiance à son instinct et pour son refus de jouer selon les règles. Ce Kirk, comme Bush, est convaincu qu'il est meilleur que les autres et qu'il a le droit d'enfreindre les règles comme il lui plaît. Selon Alejandro Barcenas et Steve Bain, cette attitude est acceptable si Kirk est un Junzi, ce que Confucius définit comme un leader vertueux et supérieur aux autres, un concept qui n'est pas sans rappeler le surhomme de Nietzsche. Pike dit à Kirk, « Tu penses que les règles ne s'appliquent pas à toi parce que tu es en désaccord avec elles. » Le Junzi le corrigerait poliment. « Ce n'est pas que les règles ne s'appliquent pas à moi parce que je suis en désaccord avec elles. Elles ne s'appliquent pas à moi lorsque je suis en désaccord avec elles. Et je suis seulement en désaccord avec elles lorsqu'elles m'empêchent d'être un leader vertueux. » Malgré cette élégante justification, le problème reste le même. Que ce soit dans la série originale ou dans le redémarrage où il est Flanderized, Kirk se donne le droit de bluffer et de tricher parce qu'il se croit supérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se soucie pas de son équipage et qu'il ne le consulte pas avant de prendre une décision. Dans la série originale, en tout cas. Mais il se trouve que Khan aussi se soucie de son équipage et que Khan aussi se croit supérieur. You have proved your superior intellect. Car Khan est, dans l'univers de Star Trek, un produit de l'eugénisme des années 90. Soit un véritable surhomme. Bien que Space Seed et The Wrath of Khan ne développent pas un discours très approfondi sur les limites et les conséquences de l'eugénisme comme le ferait Brave New World ou Gattaca, il est tout de même important d'expliquer de quoi il s'agit. Il y a plusieurs façons d'expliquer ce qu'est l'eugénisme. Ça peut à la fois être une idéologie raciste, une théorie pseudo-scientifique ou une pratique institutionnelle. Quoi qu'il en soit, l'eugénisme vise à améliorer la population par sélection artificielle. Par exemple, aux États-Unis durant le 20e siècle, environ 70 000 personnes furent stérilisées sous prétexte qu'elles étaient inférieures. On faisait passer un test écrit à des gens qui n'avaient jamais pu s'inscrire à l'école, par exemple parce qu'ils n'en avaient pas les moyens ou parce que leur peau n'avait pas la couleur autorisée, et devant leurs piètres résultats, on les diagnostiquait morons. Les partisans de l'eugénisme croyaient également que la race blanche descendait d'une race nordique supérieure. Et c'est en s'inspirant à la fois de ses croyances et des lois de Jim Crow qu'Adolf Hitler développa ses théories antisémites et sa solution finale. Les Américains ont peut-être été outrés de ce qu'ils ont trouvé en Europe en allant combattre les nazis, mais tout cela avait commencé chez eux. We think about Anne Frank dying in a concentration camp because the Germans thought the Jews were genetically inferior. But to some extent, Anne Frank died in a concentration camp because the US Congress believed that as well. Les arguments farfelus servant à défendre l'eugénisme continuent malheureusement de trouver des adeptes, alors qu'elles ont été réfutées depuis longtemps par la communauté scientifique, surtout depuis qu'on a découvert que manquer d'instruction à cause d'un manque d'argent ou de pratiques discriminatoires, ce n'est pas un problème génétique, mais sociologique. Depuis l'Holocauste, c'est un peu mal vu de prétendre que certaines ethnies sont inférieures aux autres. Surtout sur un certain âge, la race. C'est pourquoi les termes ethnie ou race sont aujourd'hui remplacés par culture dans des discours qui sont sinon exactement les mêmes que ceux des partisans eugénistes du début du 20e siècle. Explain, if it has nothing to do with culture, explain to me why the single motherhood rate in the black community jumped from 20% to 70%. Khan a peut-être véritablement été conçu pour avoir un intellect supérieur, mais son exil sur Seti Alpha 5 l'a transformé en crétin aveuglé par la vengeance. Attention! Khan est un excellent méchant, joué avec brio par Ricardo Montalban. Haïssant Kirk de toutes les fibres de son corps, il se délecte du mal qu'il lui cause et sait exactement où frapper. Où frapper pour paralyser l'Enterprise et où frapper pour blesser Kirk. Car, comme je l'ai dit plus tôt, Kirk est, tout comme Khan, dédié à son équipage. Mais Khan est un homme du passé, manipulateur, violent et toxique, tandis que Kirk est un homme du futur, humble, responsable et au courant qu'on peut se déplacer de haut en bas dans l'espace. This pattern indicates two-dimensional thinking. Contrairement à Kirk, l'âge n'a pas affaibli Khan. Mais toujours contrairement à Kirk, il n'écoute pas les conseils de son équipage. Son raisonnement est défectueux et il est destiné à perdre. Khan a pourtant tout pour gagner. Il a réussi à fuir Seti Alpha 5 et il a Genesis en sa possession. Mais sa haine pour Kirk le rend si stupide qu'il est incapable de voir Genesis pour ce que c'est, le moyen d'offrir une planète paradisiaque à son équipage ainsi qu'à lui-même. Entre ses mains, même une technologie servant à créer la vie n'est plus qu'une arme servant à tuer Kirk au détriment de son bien-être et de celui de son équipage. Yours is superior.
Alors que Kirk s'est libéré de sa prison psychologique, Khan a remplacé sa prison sur Ceti Alpha 5 par la prison de sa soif de vengeance. Une soif si insatiable qu'il finit par sacrifier tout ce qui lui tient à cœur. Sa liberté, son équipage, son paradis et sa vie. J'aime le personnage de Khan parce qu'il est stupide. Je m'amuse de voir à quel point sa colère le consume. Si Kirk et son équipage parviennent à vaincre Khan qui leur est soi-disant supérieur, alors qu'est-ce que ça signifie réellement que d'être supérieur? Me, Prince Vegeta, the greatest warrior in the universe, is actually being forced to retreat! En fin de compte, l'eugénisme ne permet pas de créer des êtres supérieurs, mais seulement des êtres correspondant à ce que les eugénistes considèrent comme étant supérieurs. Si les eugénistes sont des vieux blancs imbus d'eux-mêmes, alors pour eux, un être supérieur, c'est un vieux blanc imbu de lui-même. Certes, Khan n'est pas blanc. C'est un personnage d'origine indienne, joué par un acteur mexicain, car Gene Roddenberry considérait que dans le futur, la culture ne serait pas dépendante de l'ethnie. Un raisonnement partagé par George Takei, qui a opté pour la rapière plutôt que le sabre japonais lorsqu'on lui laissa choisir l'arme maniée par Sulu dans l'épisode de Naked Time. Or, dans le scénario original de l'épisode Space Seed, Khan devait être scandinave et s'appeler Harold Erickson. Sans doute pour faire un lien avec la théorie de la race aryenne, la série ayant confronté plus d'une fois l'Enterprise à une menace inspirée du nazisme. Alors que dans Star Trek, les humains se consacrent à l'amélioration personnelle et collective sur le plan moral, Khan représente la fausse bonne idée d'une humanité ancienne qui croyait que l'amélioration de la société passait par une sélection discriminatoire des individus qui la composent et par la manipulation génétique d'une élite autoproclamée. Tout comme les Borg allaient plus tard représenter la fausse bonne idée de s'appuyer sans retenue sur la technologie pour atteindre le même objectif. Ce sont les stratégies paresseuses d'une élite qui ne cherche aucunement à assurer un avenir prometteur pour tous, mais seulement un avenir prometteur pour une fraction de la société. Un avenir construit sur les cadavres de ceux et celles qui ne ressemblent pas à l'élite. Ce qui m'amène à parler de Genesis, car Genesis sert également à créer un futur non pas pour toutes les formes de vie extraterrestres, mais seulement pour les espèces terrestres et celles qui peuvent s'y adapter. Comme V'ger dans The Motion Picture, Genesis, c'est encore en quelque sorte le monstre de Frankenstein. Cette fois parce qu'il s'agit de la création d'un groupe de scientifiques cherchant à générer la vie à partir de la mort, et c'est une création qui possède également un pouvoir destructeur rappelant la bombe atomique. De la même manière que Ian Malcolm s'oppose au clonage de dinosaures, McCoy soulève les implications morales de Genesis, mais on l'ignore. I do not dispute that in the wrong hands. In the wrong hands? Would you mind telling me who's the right hands, my logical friend? Dans la réalité, l'argument des opposants à l'ingénierie planétaire est moins philosophique. D'une certaine manière, nous avons déjà démontré notre capacité à transformer une planète, notre planète, que nous avons transformé en poubelle brûlante. Si on ne règle pas d'abord ce problème, il ne sert à rien de terraformer une autre planète que nous allons traiter de la même façon. Si vous maltraitez votre enfant, ce n'est pas en mettant un deuxième enfant au monde que vous allez devenir de bons parents. Autrement dit, si on ne change pas nos comportements, si, comme les Elon Musk de ce monde, on choisit la voie de la facilité et qu'on préfère fuir nos problèmes plutôt que de se relever les manches et travailler pour les régler, une humanité qui développerait l'ingénierie planétaire ne ferait que transformer encore plus de planètes en poubelles brûlantes. Comme les eugénistes, on aurait sacrifié la beauté et la diversité naturelle du monde pour les conformer à nos préférences du moment, éliminant ainsi toute possibilité pour cette planète de développer des formes de vie qui lui sont propres ou d'accueillir une espèce extraterrestre qui ne survit pas dans les mêmes conditions que nous et qui aurait besoin de cette planète pour des raisons plus nobles que les nôtres. Bien sûr, dans le futur imaginé par Star Trek, l'humanité ne pollue plus, mais alors que la Fédération interdit d'interférer dans le développement de civilisations qu'elle considère être inférieures, elle s'autorise, à travers le projet Genesis, à interférer dans le développement de la nature et de la vie elle-même. Et ce, pour la même raison, parce qu'elle considère que les conditions de vie nécessaires aux cultures qu'elle représente doivent servir d'exemple pour mesurer la vie dans tout l'univers. L'eugénisme et l'ingénierie planétaire ont en commun l'idée que certaines personnes ou certaines planètes peuvent être sacrifiées pour le bien de la population. Were I to invoke logic, logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few. Cette philosophie découle de l'utilitarisme, une doctrine éthique qui prétend pouvoir quantifier mathématiquement le bonheur et le bien-être pour déterminer une ligne de conduite. Le test du Kobayashi Maru est lui-même une variation du fameux dilemme du tramway, comme le fait remarquer la youtubeuse Jessie Gender dans sa vidéo sur le sujet, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. La logique de Spock est fortement influencée par l'utilitarisme, et pourtant, on l'a aussi vu prendre des décisions qui vont dans le sens contraire de cette doctrine. C'est parce que Spock ne laisse pas toujours la logique dicter ses choix, bien qu'il refuse de l'admettre. You're not going to admit that for the first time in your life, you committed a purely human emotional act. No, sir.
Les Vulcains prétendent sans cesse qu'ils sont incapables de mentir, mais trouvent souvent une manière détournée de le faire. Sir, there's a multi-legged creature crawling on your shoulder. De la même manière, Spock prétend que c'est l'utilitarisme qui dicte ses actions. Or, loin d'être sans faille, cette doctrine peut être utilisée pour justifier tout et son contraire. If all that matters is the sum total of goodness, then you can justify any number of bad actions, like torturing one innocent person to save 100, or preemptive war. En sacrifiant tous ceux qui ne sont pas blancs ou supposément issus d'une mythique race nordique, l'eugénisme n'est-il pas en train d'accorder plus d'importance au bien-être d'une fraction de la population, dans un monde beaucoup plus diversifié? Et en sacrifiant l'état naturel des planètes qui ne correspondent pas aux conditions habitables pour les espèces que représente la Fédération, l'ingénierie planétaire n'est-elle pas plutôt en train d'accorder plus d'importance au bien-être d'une fraction des formes de vie qui habitent la galaxie? Comme Spock le dira lui-même dans le sixième film. Logic is the beginning of wisdom, Polaris, not the end. C'est pourquoi Spock pratique la méditation, pour l'éclairer dans ses décisions, pour déterminer quand est-ce que l'utilitarisme est approprié. À la fin du film, on assiste à deux sacrifices, celui de Khan et celui de Spock. Comme le disent Shai Bitterman et William J. Devlin, contrairement au sacrifice nihiliste de Khan pour tenter de tuer Kirk, le sacrifice de Spock affirme la vie et correspond davantage, du moins selon Nietzsche, aux actes du surhomme. En mourant, Spock continue de justifier son sacrifice par l'utilitarisme. The needs of the many outweigh the needs of the few. Tout en reconnaissant qu'il existe une autre raison, beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante. I have been and always shall be. Your friend. Ce faisant, il transmet enfin à Kirk la leçon qu'il aurait dû apprendre il y a longtemps, une leçon qui le rend plus sage que Khan et même plus sage que la Fédération. La vraie supériorité, si une telle chose existe, ne se trouve pas dans la compétition, mais dans la coopération. Pas dans la haine, mais dans l'amitié. À travers son contact avec les nouvelles recrues, confronté aux erreurs de son passé et au prix d'un terrible sacrifice, Kirk réalise qu'il n'a jamais été supérieur aux autres et c'est ce qui lui permet enfin d'apprécier les nouvelles qualités que lui procure son âge avancé. Alors que David n'a jamais cru une seconde que Kirk était un surhomme, le voilà maintenant fier d'être son fils. De la même manière, The Wrath of Khan a peut-être appris des erreurs de motion picture, mais peut-être devrait-on faire attention à ne pas continuellement le juger supérieur au point d'effacer tous les autres films et toutes les autres séries de Star Trek. Will Wheaton, my old friend. I've chased you round the moons of Nibia and round the Antares maelstrom and round perdition's flames. You know, you keep quoting Wrath of Khan, but he was in Next Generation as a totally different set of characters. Silence! Thématiquement, les trois premiers films forment une trilogie portant respectivement sur la Renaissance, la mort et la résurrection. Mais sur un plan narratif, c'est plutôt le 2, le 3 et le 4 qui forment une trilogie. Je sais, c'est compliqué, mais on a vu pire. Et pire encore, toujours est-il que dans les prochains épisodes de cette série d'essais vidéo, ça ne devrait pas être trop difficile pour moi d'expliquer en quoi les films de Star Trek forment un tout cohérent. En tout cas, moins difficile que d'expliquer le passage d'un film d'auteur inspiré de 2001 A Space Odyssey à un blockbuster des années 80. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous remercie d'encourager la chaîne. Si vous êtes des fans de Star Trek, j'aimerais savoir quel est votre film préféré de Star Trek, si vous en avez un, et pourquoi, selon vous, The Wrath of Khan devrait ou ne devrait pas être considéré comme étant le meilleur film de Star Trek. Est-ce que vous aimez que Star Trek fasse souvent référence à The Wrath of Khan ou en avez-vous assez? N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode qui sera mis en ligne le mois prochain.